Et pour terminer cette édition spéciale consacrée au nouveau festival, regardez, je suis maintenant dans les coulisses, juste derrière le Rocher Palmaire, avec ces jeunes du lycée de l'Espart. Et le groupe, c'est Team Stomp. Alors, il est question de musique. Vous imaginez un petit peu peut-être que non, c'est pas possible. Il y a des balais, il y a quoi d'autre? On a des bidons, des poubelles, des seaux. Des bidons, des poubelles, des seaux. Des WC, des durites. Des tuyaux. Vous êtes en lycée technique ou quoi pour général. Général. J'ai même vu aussi des claquettes. Oui, c'est la tongue. Ah pardon, excusez-moi, je voulais pas être... Parce que sinon ça peut pas tirer. Vous tapez sur les tongs avec les PVC. Non, on tape avec les tongs sur les PVC. Vous tapez sur les tongs avec les PVC. Mais concrètement, c'est... C'est quoi? On tape sur les PVC avec les tongs. Vous oui, mais voilà, oui. Mais de toute façon, on va vous voir à l'œuvre tout à l'heure. Le spectacle, sincèrement, est plutôt pas mal. On va voir un extrait tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous faites tout ça, là, tous là. Ça commence au collège, l'histoire, c'est ça? Ça fait 5 ans. Ouais. En fait, on commence au collège et on peut continuer au lycée. D'accord. Donc là, vous, la musique, ça fait partie vraiment de votre vie au collège et au lycée, ouais. Depuis le tout début. Donc j'imagine que c'est important. Ouais, oui, très important. Plus que le reste, non? Franchement, entre nous, il n'y a personne. Qui... Entre nous, franchement. Ah ouais. Il n'y aurait pas ça. Est-ce que vous envisageriez le collège ou le lycée aussi gaiement aussi... Parce qu'on a rencontré tout à l'heure une classe de théâtre, par exemple, qui a dit, ben nous, c'est super parce qu'on fait du théâtre tous ensemble et on est une classe à part. Vous avez l'impression que c'est un peu la même chose, vous? Ouais, avec les... Ça rajoute un plus quand même. C'est... Ouais, c'est un plus. Et puis, c'est vraiment une activité à part parce qu'il n'y a personne d'autre que nous qui fait ça, du moins au festival. J'ai jamais vu personne d'autre faire un truc. Ouais, après, les tongs, taper sur des déjà, PVC avec les tongs, c'est ça. Bon, je vais y arriver. Là, le spectacle, c'est. Il y a de la mise en scène, il y a de la lumière, il y a de la musique. Bon, il y a un gros boulot. Ça fait combien de temps que vous bossez là-dessus? Depuis le début de l'année. À chaque début d'année, on prépare un nouveau spectacle avec souvent un thème en sachant différent. Que l'été, il y a notre professeur qui monte les morceaux avec un accompagnateur qui s'appelle Simon. Ouais. Et on est aussi suivi par sa femme qui s'appelle Lalao. D'accord. Qui nous aide au niveau scénique et tout ça. D'accord, oui, parce que là, vous, c'est pas uniquement que de la musique. Il y a un travail, ouais, c'est ça, un vrai travail de scène, de mise en scène. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment avec ça? Est-ce que quelqu'un peut me faire une petite démo, tiens, par exemple? Allez, Camille. Qui c'est qui veut me faire une petite démo là de comment on peut faire de la musique? Non, mais ça c'est. Ah, ça c'est facile ça. Alors ça là, par exemple, alors on prend une durite. Donc très bien. Mais en fait, le fait de quand on tape, ça fait un son, voilà. D'accord. Et donc après, bah, on crée des rythmes avec ça. D'accord. Donc et forcément. Il y a différentes notes en fait, ouais, en fonction de la taille de l'objet. Si vous tapez avec celui-là, avec le bout de celui-là, ça va pas faire le même son que celui-là. Voilà. Je vais taper avec le bout. Par exemple, si vous tapez autrement, ça va faire marquer les notes dégueulasse à l'intérieur. Ah oui. Là, vous avez un sol. Et ce que vous avez, c'est marqué à l'intérieur. Je pensais qu'elle avait reconnu à l'oreille, mais non, c'est marqué. Oui, bon, enfin, on sait pas. C'est un do, a priori, un do en durite. Vous voyez ce que ça note? Attention, vous êtes prêts? Oui. Voilà. Hein? Et donc, avec ça, ce qui est extraordinaire dans votre spectacle, c'est qu'il faut une coordination extraordinaire. Parce que vous êtes quasiment tous sur scène, presque en même temps. Oui. Et puis, par contre, la coordination, c'est balèze. Hein? Qui c'est qui veut? Comment ça? C'est des heures et des heures, là, forcément, non? On a une heure d'entraînement par semaine. Ouais. Tous les depuis mardis le... soir, et avant le spectacle, on en a plus. On a un peu plus d'entraînement avant le spectacle. Et on a, quand on est suivi par Simon ou Lalao, on nous entraîne plus longtemps. Donc on a un entraînement qui dure une heure et demie à deux heures. Ils vont nous arrêter pendant les morceaux. Et donc là, ça veut dire que vous êtes sur la fin de vos études. Vous allez continuer un peu dans la musique, tout ça? Oui, c'est cool de continuer. Ah ouais. Après, on ne peut pas continuer avec les stompes comme ça. Parce que vous ne pouvez pas taper toute votre vie sur des durites. Mais là, après, nous, on peut continuer. Ouais. Alors vous pensez quoi de ce genre d'initiative, le nouveau festival, se retrouver tous là, il y a à peu près 2000 jeunes en ce moment, au Rocher Palpaire, vous présentez, vous allez voir ce que font les autres, ça se passe comment? Moi je trouve ça juste génial, ouais. C'est génial, c'est important, parce que on voit les projets des autres, au niveau musical, même au niveau danse, théâtre, c'est vachement intéressant, les projets scientifiques aussi, c'est super intéressant, c'est enrichissant, on rencontre aussi, des personnes, ça permet de se réunir pour créer un projet quoi, donc...
D'accord. Ouais. Bon, j'aimerais encore un petit cours de quelque chose. Là. Qui c'est qui veut montrer comment on tape sur des PVC avec PVC, faites les PVC. Attends, vas-y, envoie le mi. Attention, opération. Donne le mi, donne une tongue. Alors regardez, alors voilà. Attention que j'assomme personne. Ouais, je vous rassure, une fois qu'ils sont sur scène. Mais dis la note, c'est quoi alors, c'est le mi là. Alors le mi, alors attention. Fais-nous un do. Je vais me retrouver en chef d'orchestre de PVC. Alors attention, ça rigole pas. Il y a un do et un mi. Attends, lequel ? Comment ? Il y a un do et un mi. Ah, ça fait do mi. Hein ? Dodo. Mimi. On recommence ? Mi, do, do, mimi. Mi, do, do, mimi. C'est marrant, hein, vous avez ça chez vous et vous n'avez pas forcément pensé à taper sur vos PVC avec des tongs. Il y avait les balais aussi. Il y avait les balais aussi. Là, on va pas parler. Vous faites de la musique avec des balais. Donc, ça, c'est un balai de fa, alors, c'est ça? Alors, là, c'est ça, on a mis pas. Des notes dessus juste pour le côté esthétique du balai, vu que, en fait, on jouait un morceau sur Harry Potter. Mais quoi, un balai? D'accord. Et donc ça, c'est un balai de mi, un balai de fa. Tu veux faire le rythme ? Comment ça marche un balai ? Vas-y, vas-y Amandine. Fais-nous un petit rythme sur le truc là, je pense que ça va être mieux sur le béton. Après, on a joué avec des vrais balais comme celui-ci. Et là, c'était uniquement percussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notes sur ces balais. On a chacun un rythme. Oui. Donc là, c'est... Et après... Je suis sûr que vos parents vous adorent, vous, parce qu'ils vous font répéter dans le salon assez régulièrement, voire dans la cuisine. Tu veux pas répéter aussi dans le couloir, c'est... Ah ben voilà, c'est, si vous avez des enfants qui ont du mal à faire le ménage, donnez-leur des cours de ballet. Non, voilà. Bon, mais écoutez, sincèrement, merci beaucoup en tout cas. Et le bac, c'est quand? C'est bientôt? Oui. Ouais. Un mois à peu près. Ah, excusez-moi, ça va être un jeu de mots, mais mauvais, c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est pas la même musique. Ok, je vous avais prévenu, de toute façon, il n'y a pas de problème. En tout cas, croyez-moi, une fois qu'on a mis tout ça en œuvre, qu'on s'est bien tapé sur des PVC avec des tongs et qu'on s'est bien balayé en rythme, ça donne un spectacle tout à fait sympa. On va se quitter là-dessus avec donc Tim Stomp à l'œuvre ici au nouveau festival au Parc Palmer. Ce sera dans un instant derrière nous au Rocher. Et puis tout de suite après, ce sera Benjamin Bardel depuis Primrose.